Oui, salut les amis, et je suis content pour m'asseoir avec vous. Jeudi, à qui c'est vendredi 5 mai, dans le but pour nous capables de mettre fin avec l'étude, école du sabbat semaine. Et semaine ça, étude lancée numéro 6, l'heure de son jugement. Mais quand à jeudi, nous allons ensemble, réflexion, avancée, qui c'est conclusion, étude, semaine. On nous prie, bon Dieu. Papa, nous qui sommes dans le ciel là, nous faisons louange pour vous parce que vous méritez ça. Merci pour une semaine, pour notre traversée à l'ombre de tes ailes, côté jour après jour, tu as une opportunité pour nous étudier la parole. Aidez-nous, Robert, pour que nous soyons capables toujours tirer profit de la parole et comme ça, nous soyons capables de rester dans la volonté. Merci parce que vous attendez nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Je remercie les amis pour l'effort que vous avez consenti tout au cours de la semaine. Non? Dans le but pour étudier la parole de Dieu à travers l'étude école du sabbat. Pas oublier de finir d'étudier, moi toujours encourager ou partager l'étude avec entourage pour faciliter plus de monde arriver étudier leçon école du sabbat. Si vous n'avez pas de quoi abonner, je vais profiter de faire ça et puis encourager l'autre monde, faire même j'ai ensemble avec vous. Pendant la semaine, nous avons ensemble étude numéro 6, l'heure de son jugement. Verset à mémoriser. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons couru. La nuit est avancée, le jour approche. Romains chapitre 13, versets 11 et 12, ces textes. On devait mémoriser dans l'étude semaine. Depuis semaine, l'étude l'a parlé de leur jugement, les mêmes qui vivaient. Et si nous avons dit, yon résumé de ça qui nous trouve pendant ce moment. Eh bien, dans l'heure qui nous vivons là, nous avons le jugement. Moi, je suis avec vous. Eh bien, nous avons besoin de réveiller nous dans ce sommeil spirituel qui nous trouve. Nous avons besoin de débarrasser nous de péché afin que nous soyons capables de paraître propres aux yeux de Dieu. Pendant ce moment, nous avons essayé de développer ensemble une étude qui concernait les 2300 soirs et matin. Nous avons 2300 soirs et matin. Et prophétiquement, c'est 2300 années. Pour qui ça? Le dit soir et matin, bibliquement parlant, c'est un jour. Et quand nous avons développé un thème prophétique, nous connaissons ce thème prophétique, c'est symbole, c'est-à-dire, nous avons besoin de mettre en place. Ça veut dire, 2300 soirs et matin, c'est 2300 jours. Et nous connaissons un jour. Égal l'Europe détermine une prophétie li égal une année, c'est-à-dire au lieu nous gagner 2300 jours et ben nous venons gagner 2300 années et c'est peut-être prophétie qui plus longue à travers la Bible et ben nous te ouais une série 70 semaines en dedans et 2300 soirs et matin 70 semaines non et ben li égal à 490 jours. Comment nous déterminer? Une semaine, li gen 7 jours la dan et nous gen 70 semaines. Nous fait 7 multiplié par 70, li ba ou 490 jours. OK, nous konnen yon jour et l'a déterminé prophétie yo, li égal avec yon année et ben ça c'est une période de 490 ans. Et nous en dan période ça, gen un ensemble d'événements qui passé. Nous wè Messie après naissance la dan, ministère commencé la dan. Et Messia li mouri ladan et il y a ensemble événement qui passé en dan et ben 70 semaines et 70 semaines et qui une façon rapide et facile nous capable wele yo tout d'abord yo présente une 70 semaines mais après ça auteur en parlant de Daniel li monte une 70 semaines li divise en trois sections yon premier 7 semaines. Après ça, nous jouons 70 semaines et puis nous jouons une dernière semaine. Mais ça qui, c'est ça qui finit par nous 70 semaines. On première série 7. Après ça, nous jouons 62 qui bat nous et 69 et puis une dernière semaine. Et finalement, nos dernières semaines sont divisées en deux sections. Chaque section gagne la dernière 3 ans et demi. Ok, dernière semaine. Nan. C'est 7 ans et 7 jours, yon jour pour une année. Li vin ba nou 3 ans et demi. C'est-à-dire,
moitié dans semaine. Et puis 70 semaines, elle est composée de 69 semaines et puis de 1 semaine. Et semaine, ça, je ne te dis là, de diviser en deux sections. Il suffit pour nous mettre date là, qui c'est 457 avant Jésus-Christ, au début, avec des calculs mathématiques simples et n'a arrivé dans les années 1844 sur la ligne des temps. De plus, il n'a pas les 2300 jours. Daniel, pas jamais dit qu'il est 2300 jours à lui-même, ni à commencer. Ok, il dit 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. C'est-à-dire jusqu'à 2300 jours, à partir de qui il est. Nous pas connaît. Ok, pour qui ça? C'est là nous dit nous pas connaît. Hein? C'est pas dans la période Daniel. Ou bien, c'est pas sous roi Belshazzar, dans le moment que Daniel lui-même lui dit recevoir la vision. Parce que la vision, ça, il n'est pas concerné Babylone. Mais plutôt, nous, la vision, ça, libéral, commencer avec les Mèdes et les Perses. Ok, la Grèce, Rome, toute époque ça a concerné et jusqu'à la fin des temps. Ok, pour que ça date un événement et la purification du sanctuaire qui n'a vision à partir d'un autre événement qui c'est Babylone qui va vraiment exister en dedans prophétie. C'est-à-dire prophétie ça et Babylone baladène, mais plutôt puissance qui vient après là. Et qui c'est Mède et Persio, eh bien, vision ça, les concerner, les concerner la Grèce, les concerner Rome, et les concerner nous-mêmes également, qui a vu jusqu'à la fin des temps. Et quand prophétie ça lui-même, qui la prophétie ça lui-même n'a pas accompli? Nous pas dire ça dans Daniel chapitre 8, mais Daniel chapitre 9, là, il était bas nous, en pile détail concernant accomplissement prophétie ça. Réflexion que nous avons vos journées dans la classe ou bien avec moun qui a eu possibilité pour réviser l'étude ça, discuter de la relation étroite entre l'évangile et le jugement, telle qu'elle apparaît dans ces deux parties de ce qui est en réalité une seule prophétie. Pourquoi le lien entre les deux est-il une si bonne nouvelle pour nous? Comment ce lien devrait-il contribuer à atténuer la peur que beaucoup ont eu de l'idée du jugement. Les réflexions nous guident encore. Attardez-vous davantage sur la vérité révélée de Daniel chapitre 9, verset 26, selon laquelle le Messie est retranché, mais non pas pour lui-même. De quoi s'agit-il? Pour qui a-t-il été retranché et pourquoi? Dernière réflexion que nous guident pour journée. Relisez Lévitique chapitre 16, verset 16 et Lévitique 23, verset 26 à 29. Parler de la raison de la purification du sanctuaire et de la façon dont les gens sont censés agir lorsque cela se produit. Quel est le rapport entre ce qui se passe ici et ce que cela devrait signifier pour nous aujourd'hui? Amis, c'est un plaisir pour nous être ensemble pendant la semaine, hein? Pour nous étudier la parole de Dieu. Mais une bagaille qui est intéressante pour moi ensemble avec vous, après que nous finissons d'étudier la prophétie, ça, eh bien, nous besoin débarrasser nous de péché. Même le peuple Israël là dans le temps, j'en ai eu le coup de semaine dans Lévitique 16, Lévitique 23, eh bien, peuple a été un jour qui est le jour des expiations pour être capable de venir dans le bon Dieu pour demander le pardon pour tout péché qu'ils ont commis dans l'ensemble. Et je sais, si vous n'êtes pas présent, vous êtes doué mourir. C'est ça, nous, les purifications sanctuaires. Eh bien, je dis à moi-même ça avec vous. Nous avons besoin d'un jour spécial pour nous demander bon Dieu pardon pour le purifier nous. Mais nous sommes capables de faire ça jour après jour. Nous demandons bon Dieu pour faire nos grâces, pour les débarrasser nous complètement de tout ça qui va bon, afin que nous sommes capables de dans la volonté bon Dieu. Certes, nous avons besoin de bon Dieu, nous avons pas. Et nous sommes capables de dire n'importe quoi qui arrive nous plutôt. N'importe quoi qui arrive nous. Imaginez si nous mourions avec des péchés qui va pardonner. Et bien, ça a empêché que nous gagnions la vie éternelle. C'est ça que fait. Jour après jour, nous avons besoin de débarrasser nous de tout ça qui va bon, afin que nous soyons capables d'être dans la volonté de Dieu. Nous avons ensemble aujourd'hui à conclusion, étude numéro 600, qui c'est réflexion avancée. Et thème étude maintenant, c'est l'heure de son jugement. Verset à mémoriser. Romains chapitre 3, verset 11 et 12. Éternel notre Père et notre Dieu,
Merci pour ce maintenant qui veut nous passer, côté que chaque jour nous t'apprécions des paroles. Aidez-nous au jour le jour pour nous capables de comprendre les paroles et puis mettre en application. Bénis-nous, sauvez-nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Déjà, M. Théo, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.